reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur la Soupone. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, j'ai des révélations encore à vous donner. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous dire et vous informer que les gens que Dieu a tués avec l'eau hier sont revenus encore aujourd'hui. Les gens que Dieu a exterminés parce qu'il les trouvait vraiment très méchants là, ils sont de retour encore parmi nous. Nous sommes en 2021. Mes frères et sœurs, vous devez être prudents. L'homme n'est plus celui que vous croyez. Alors d'abord, jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé hier et pourquoi est-ce que Dieu a décidé de les détruire. Oui, de détruire l'homme et même tous ces animaux à cette époque-là. Prenez votre Bible, allez dans Genèse 6. Oui, Genèse 6, le verset 5. Genèse 6, le verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais lire. On nous dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Il a vu que les pensées du cœur des gens, Dieu regarde au cœur, il a vu que toutes les pensées de leurs âmes étaient tournées uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous voyez, Dieu a un cœur, les humains aussi ont un cœur. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec son cœur et il voit ce que nous faisons, ce que nous avons dans notre cœur. Il a mesuré l'état des cœurs des gens et il a découvert que c'était uniquement tourné vers le mal. Et lui, son cœur a été touché. Son cœur vraiment a été touché. On dit, et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je reprends encore tout intégralement. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu se repent d'avoir fait l'homme. À cause de l'état du cœur des hommes à ce temps-là, Dieu est obligé aussi de tuer tous les animaux qui étaient là.
les paniers, c'était, mais il est éliminé beaucoup. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ceux qui étaient bons, ce sont ces gens-là que Dieu a mis dans l'âge, c'est-à-dire Noé, sa famille, ces personnes qui ont cru en tout ce que Noé leur disait à cette époque. Maintenant, des millions de personnes sont mortes dans cette affaire. Quand Dieu a envoyé le déluge, il a envoyé l'eau, il a fait pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ouais. Une seule arche pouvait les sauver. C'était l'arche de Noé. Mais ils ont pris ça dans de la blague. C'est comme à ce temps où nous sommes. L'arche de Noé, là, c'est Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ revient bientôt, préparez-vous. Les gens disent, oh, c'est de la merde! C'est de la merde! Les gens disent que, ah, depuis là, Jésus là, il ne revient pas. Où est son bateau? Son bateau va revenir quand? Et la méchanceté de l'homme grandit chaque jour. Et la méchanceté de l'homme grandit chaque jour. Et le cœur de l'homme est de plus en plus uniquement tourné vers le mal. Ces gens que Dieu a tués avec l'eau hier sont de retour encore aujourd'hui, je vous préviens. Ces gens-là ont un cœur uniquement tourné vers le mal. Ils ont un cœur uniquement tourné vers le mal. S'ils vous font du bien, c'est que le mal qu'ils vont faire derrière, là, ça va dépasser le niveau du bien qu'ils vous ont fait. Vous-même, vous serez surpris. C'est pourquoi vous ne soyez pas surpris. Je viens aujourd'hui pour vous dire, les frères et sœurs, soyez prudents. Voici la révélation. La révélation est que les gens que tu as tués hier à cause de leur mauvais cœur sont de retour encore en 2021, en 2022, en 2023. Et on s'en va. Et ils vont commettre de grands dégâts dans le monde. Ne soyez plus surpris. Là, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que vraiment, tout c'est trop. Si vous êtes terminé avec l'eau et puis ça n'a pas marché, je pense que le feu serait bien. Cela dit, toutes les personnes qui ont su Satan dans sa méchanceté, toutes ces personnes seront jetées dans l'étang de feu. Est-ce qu'ils ont commencé à dire, ah, Dieu, tu veux nous brûler? Mais Dieu, tu es gentil, non? Toi, tu n'as pas dit que tu as un bon cœur, tu n'as pas un mauvais cœur comme nous. Pourquoi est-ce que tu veux nous brûler? Comment ça veut dire que tu veux nous brûler encore? Non, Dieu, ce n'est pas possible. Vous voyez ces gens-là sont vraiment insensés, ils sont vraiment méchants. Ils sont vraiment très méchants. Maintenant, vous allez les reconnaître par ceci, parce que je vais vous dire maintenant. Ce sont les gens des personnes qui sont ici sur la terre. Hein? Quand vous leur faites du bien, vous rendez cela en mal. Quand vous avez pitié de eux, ils vous rendent cela mal. Ils vous poignent dans le dos. Vous avez pitié de eux, vous voulez les aider. Mais eux vous poignent dans le dos. Ce sont les gens-là, hein, quand vous les aidez, eux vous enfoncent. Je dis, mais quand vous les aidez là, vous devenez pauvres. Parce qu'ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Ce sont les gens, hein, vous pouvez vous sacrifier sur moi là. Vous allez dire, vraiment, je me sacrifie pour cette personne. Maintenant, l'autre mois, quand la bénédiction de Dieu va venir vers vous, là, ces gens-là vont venir empêcher que vous ayez votre bénédiction. Là, alors que vous êtes sacrifié pour leur donner quelque chose. Donc, je veux maintenant empêcher ce que vous devez recevoir maintenant de la part de Dieu. Ce sont des sorciers. Et ces gens-là dont Dieu parle ici, dont le cœur est uniquement tourné vers le mal, là, ce sont les sorciers. Les sorciers? En ce moment, je suis en train de vous parler. Il y en a à gogo dans le pays. Qui sont confondus ici dans la confusion? Je me pose souvent la question. Mais qui vous a initié? Qui vous a initié comme ça? Pourquoi vous êtes si nombreux? Je suis perdu. Parce que je les vois. Quand souvent ils vous disent, voilà, vous pensez qu'ils sont dégueulasses à vous. Et c'est ça que je les vois, c'est largement suffisant. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de sorciers ici sur la terre. Et ils ne font que se multiplier. Il y a des gens qui ont la sorcellerie dans l'esprit, dans le sang.
et transmettre cette sorcellerie-là de génération en génération. Et lui, il a son enfant, lui, il se marie avec une autre femme. Quand ils font un enfant là, un enfant qui sont sorciers. Certification quoi, ISO 9000. T'as la sorcellerie. Il a dit, la voix qu'ils ont là, si c'est pas la grâce de Dieu, hein, ils sont sorciers. À cause de la sorcellerie qui se multiplie de jour en jour dans ce monde. Et comme je te vous dis, ceux qui ont porté le flambeau du mal, ce sont les sorciers. Dans ces derniers temps, où je suis en train de vous parler, ceux qui ont porté le flambeau du mal et intensifié le mal dans le monde, ce sont les sorciers. Oui. Et les sorciers sont très nombreux. Tu leur fais du bien, ils te font du mal. Ils ne sont pas reconnaissants. La reconnaissance n'existe pas chez eux. S'ils voient que vous avez pitié d'eux et que vous voulez les aider, ils vont dire c'est une belle opportunité pour vous attaquer. Tuons-le en même temps, ça va finir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait pour cette génération? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais ils ont tué un innocent. Ils ont tué un innocent. Comme s'ils ne les avaient jamais rendu service. Voici ce dont Dieu parle. Voici ce dont Dieu parle aujourd'hui. Moi, je viens pour vous prévenir. Si vous aidez quelqu'un et la personne n'est pas reconnaissante, ce que vous êtes face à une telle personne, un sorcier, vous devez maintenant faire grave attention. À un moment donné, vous allez vous retrouver seul. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de bonne personne dehors. Regardez-moi à présent. Hein. Je cherche une fille. Genre une fille que je veux épouser, quoi. Mais quand je sors, je vois que des sorcières. Si 100 filles, on dit 100, c'est petit. Si 10 000 filles, je ne vois aucune vraie personne. Toutes les 10 000 filles-là, elles sont des sorcières. C'est pourquoi moi, je suis là. Je regarde seulement. Je suis dépassé, baptême. Je suis ici dans la confusion. Je me pose la question chaque jour. Je dis, mais comment ces gens ont-ils fait pour être initiés? Pourquoi sont-ils nombreux? C'est là que je me rappelle de ce que le Seigneur Jésus disait. La parole du semeur. Comme des graines sont tombées sur la bonne terre. Sur grande graine jetée, il y a seulement une seule graine qui est tombée sur la bonne terre. Mais les autres là sont battus où? Les autres là sont maintenant battus où? Les autres là sont partis dans le camp de Satan. C'est ceux-là qui représentent le diable aujourd'hui dans ce monde. Et ces gens-là représentent combien de pourcents? C'est-à-dire sur 3, hein, sur 4, sur 4, hein. Il y a seulement, sur 4 personnes, il y a seulement une seule personne qui appartient à Dieu. Les 3 autres appartiennent au diable. Maintenant, commencez à compter, le monde entier, les gens du monde entier. Maintenant, faites le pourcentage. Et donnez-moi un commentaire. Écrivez ça en commentaire. C'est pas de la blague, hein? Pas de la blague. Moi, avant, j'ai pas cette histoire. Moi, j'ai vu. C'est pourquoi je vais vous parler. Ça fait combien? Ça fait combien? Écrivez. Ceux qui sont forts en maths, c'est l'heure de jouer. Si il y a seulement, sur 4, il y a seulement une seule personne qui appartient à Dieu, combien ça va donner? Combien de pourcentages ça va donner? Si on doit juste prendre 6 milliards de personnes dans ce monde, si on suppose qu'il y a 6 milliards de personnes dans ce monde-là, et qu'on décide d'enlever juste le 1 quart, qu'est-ce que ça va donner? Le 1 quart de 6 milliards, c'est combien? Maintenant, le 3 quarts de 6 milliards aussi, c'est combien? Ce que vous allez trouver là, c'est ça. Les représentants de Dieu dans ce monde-là sont juste petits, comme ça, ils ne sont pas nombreux, ils sont petits comme ça. Combien de personnes sont-elles montées dans l'arche de Noé? Combien de personnes sont-elles montées dans l'arche de Noé? Quand vous avez fait le calcul là,
c'est le même résultat que vous allez trouver. C'est-à-dire que si Dieu devait détruire le monde tout de suite, mais avant de détruire le monde, il devait prendre ses enfants bâtis là. Ce que vous essayez de vous donner pour calculer là, le résultat que vous allez trouver là, c'est ça. C'est ce peu là qui va prendre bâti. C'est-à-dire que dans 10 ans, si des gens meurent pendant 10 ans, le nombre de personnes qui voient le ciel, ce sera peut-être 3 au maximum. Et dans 10 ans, s'il y a 100 000 personnes qui sont décédées durant 10 années, il y a seulement 10, il y a seulement 3 personnes qui voient le ciel. Le reste, là, en enfer. En enfer. Et puis, c'est pas parce que Dieu est méchant, hein? Non. C'est parce que ces gens-là, ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais cœur. Ils méritent même l'enfer. Même. Ils méritent, ils le méritent. Je vous dis en même temps, personne ne va se retrouver à l'enfer au hasard. Personne ne va se retrouver à l'enfer au hasard. Genre, tu dormais, tu étais tellement bien endormi que tu avais sommeil. Et puis, quelqu'un t'a sauvé sur ton lit, quoi, pour aller te mettre sous l'eau. Et puis, tu retournes sous l'eau là-bas. Qu'est-ce que je fous là? Il y a de l'eau partout. Et la poisson, les reins, qu'elle ne me mange pas. Qu'est-ce que j'ai fait ici, oh? Mon ami, ce ne sera pas ça. Quand Dieu dit leur cœur est seulement tourné vers le mal, ça veut dire que Dieu, quand vous regardez, il ne regarde pas votre beauté, votre méca. Il ne regarde pas votre habillement ici. Il regarde votre cœur. Parce que c'est de votre cœur que part tout ce que vous produisez. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu méchant. Tellement l'homme est devenu méchant, même les artistes ont commencé, les stars de la musique ont commencé à chanter maintenant que l'homme est méchant. Il y a une star de la musique qui s'appelle DJ Arafat. Elle chante et puis elle dit et Dieu l'homme est méchant, oh, et Dieu l'homme est méchant, et Dieu l'homme est méchant, oh, et Dieu l'homme est méchant, oh. Tu as tout fait pour l'homme. Mais l'homme ne sera jamais reconnaissant. C'est la méchanceté de l'homme aujourd'hui. Tu vas tout faire pour quelqu'un, mais la personne ne va jamais te respecter. La personne va te trahir pour mettre dessus. C'est ça la méchanceté de l'homme aujourd'hui. Ne sois pas surpris. Et Dieu, l'homme est méchant. Et Dieu, l'homme est méchant. Là, vous êtes averti. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ne dites vraiment pas que je ne vous ai pas prévenu. Je vous dis que si Dieu vous ouvre les yeux pour voir combien de méchantes personnes il y a autour de vous, hein, vous n'allez plus jamais saluer quelqu'un. Vous allez voir l'homme comme ça. Mais pour lui dire bonjour, vous allez dire non, c'est pas possible. Je ne peux pas te dire bonjour. Parce que la manette me maltraite en esprit, là. Non, c'est pas possible. Vous serez même fâché tout le monde. Vous serez même fâché tout le monde. C'est pas de la blague. Vraiment, que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur nous tous. Que Dieu veille sur nous. C'est pas de la blague. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment mon cœur.